L'alizarinate, c'est une molécule rouge, une molécule pigmentaire qui est contenue dans la racine de la garance des teinturiers, qui est une fleur. C'est un pigment rouge, donc voilà pourquoi on a un peu des costumes rouges et on est un peu dans ces teintes-là. J'aime bien aussi amener cet univers botanique, floral un peu, ce lien-là. Sur le concert qu'on a fait, il y avait une scénographie un peu avec des fleurs en papier. J'ai commencé de manière assez classique dans un conservatoire en France, la clarinette. J'ai fait 13 années, je crois. Ouais, 13 années au conservatoire. Et je me suis mis aussi en parallèle un peu aux musiques traditionnelles bretonnes, beaucoup. Puis après, j'étais vachement inspiré par les Balkans. Et après, je suis parti vivre dans les Balkans. Et donc là, j'ai encore plus touché cette musique. Et ça m'a pas lâché depuis. Pas mal au contact des tziganes et il y a une espèce de magie entre la mélancolie et la joie qui est un balancement qui est sans arrêt et même des fois les deux en même temps et qui fait que c'est une musique qui touche, je trouve, vraiment profond au cœur, en tout cas moi. Et ça se rejoint entre les musiques roumaines, musiques serbes, musiques voilà, avec différentes instrumentations. Et il y a aussi tout le pan un peu plus klezmer, donc qui est un répertoire musique juive, qui a aussi quelques origines en Roumanie et qui sont en gros des musiques très très adaptées pour la clarinette. Il y a beaucoup de clarinettes dans ces répertoires. Et pareil, la clarinette qui pleure, qui rit, enfin, qui est très très émotionnelle quoi. Mes voyages me mèneront ailleurs, qui me font découvrir d'autres univers, mais j'ai un désir en ce moment même d'approfondir vachement ce côté-là et d'aller encore plus loin là-dedans, ouais, carrément. Ouais. Ça me touche à fond et j'ai l'impression que j'arrive à le retransmettre d'une certaine manière aussi, quoi.
Actuellement basé en Bretagne, mais j'ai vécu à Bruxelles pendant 3 ans en fait. J'étais d'ailleurs récemment en Roumanie en stage avec le Bruxelles Bacan Orchestra et Nicolas Hauser notamment. On est allé faire une masterclass avec un maître tzigane là-bas, donc je continue à me former toujours dans ces musiques là. Le projet Alizarina, il est né il y a 6 ans à peu près, en solo, et là ça fait allez, un an et demi que le projet en quartet est monté quoi. Une envie humaine je pense, être en tournée tout seul c'est quelque chose, et puis un peu une envie de composition aussi un peu plus riche, élaborée, une grosse envie de bosser avec des cordes. Cordes et musique électronique, voilà, faire des mélanges un peu qu'on voit pas trop, et qui moi me parle beaucoup. Alors c'est aussi un hasard que des gens avec qui je travaillais avant dans un groupe il y a 10 ans sont revenus s'installer en Bretagne au moment où je me suis dit que j'allais composer pour plus d'instruments et voilà, ils sont revenus, ils étaient friands du projet, donc on est parti quoi. Composition, c'est moi en amont, et après on a pas mal arrangé ensemble quand même, surtout pour le studio, pour l'enregistrement de l'album, mais aussi pour le live, pour designer ça vraiment plus pour le live, plus interactif. Et on continue toujours de travailler ces arrangements-là ensemble. J'ai travaillé du coup avec la violoncelliste Marie Tissier. On avait fait une fanfare klezmer il y a 10 ans. Felipe, qui est brésilien, qui est revenu avec Marie de leur tournée dans leur groupe au Brésil. Et Marie-Amélie, qui est venue remplacer une autre musicienne qui était là avant dans le quartet et qui était dans ce groupe avec lequel je jouais il y a 10 ans aussi. C'est fou parce que je suis quelqu'un qui compose plutôt par mélodie, et c'est vrai que là du coup on a violoncelle, violon et clarinette, donc assez mélodique, et même la batterie, il a un jeu très mélodique et très folk, très je sais pas, ethnique, et ça me plaisait beaucoup, ça chaloupe, ça groove quoi, c'est chouette. Et ça donne du relief aussi parce qu'on joue quand même avec des séquences électroniques, donc c'est très calé sur le tempo, et du coup qu'il amène cette variable un peu groove, c'est hyper important quoi. Thank you.
dizaine de dates là cet été. C'est assez calme, mais parce qu'on est tous très pris aussi, chacun de notre côté. Bah là, on a enchaîné trois dates. Là, on était à Zono Clubber dans un lieu à Bruxelles, à Forêt, hier. Jamming Jet aujourd'hui. Et demain, Brasserie Illégale à Bruxelles. Je pense que l'été 2023 sera un peu plus fourni. Ce sera un peu plus notre été, je pense. Parce que là, c'est un peu le redémarrage de tout. Il y a des bouchons un peu partout. Enfin voilà, il faut s'organiser quand on a un groupe émergent. La première année de Covid, c'était vraiment l'année de création. C'est tombé comme ça, j'avais décidé de stopper les concerts pour créer et boum, il y a eu le Covid. Donc bon, ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps et de même du temps mental, pas de sollicitations, pas de voilà, pour pouvoir composer. Et on s'est vu pendant ces moments-là, on a enregistré l'album aussi pendant le Covid et on a retardé sa sortie pour essayer d'avoir un peu des dates. On a fait une dizaine de dates l'année passée et là, on a encore une dizaine de dates qui arrivent quoi. C'est vrai que sur tous ces morceaux-là, il y a quand même une ligne directrice. Il y a aussi un morceau qui est sur l'album, mais qu'on ne fait pas en live, avec une slameuse, Vicky Kissmaker, qui a écrit un super texte sur l'impatience de nos vies, le fait d'être impatient et d'avoir des rythmes de vie effrénés. Et en fait, on arrive au bout de notre vie et en fait, on se dit, oh, on prendra bien le temps, et puis pouf, c'est trop tard. Ouais, le fil rouge, c'est un peu redonner un peu du temps aux choses primordiales et aux choses simples. Il y a un morceau qui s'appelle Vivant qui dit voilà, le fil de l'air aux plantes et laisse le vent aller, on ne peut pas tout contrôler. L'importance de se parler, l'importance de pas se laisser faire. Et le premier morceau notamment, c'est avec des extraits du film L'An 01, qui est un film de Jacques Doyon de 73, et qui est en gros une espèce d'utopie de voilà, qu'est-ce qui se passe si demain on arrête tout, on fait un pas de côté et on arrête de faire ce qu'on nous dit de faire. Et on imagine des choses qui se passent quoi. La notion de progrès qui n'est pas forcément le pas en avant, qui peut être le pas de côté. On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose. Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde dans ma tête. Si on faisait un pas de côté, les queues ne tomberaient plus en face des guichets.